Ma Mission TV, le miroir du monde. Mbote na binonyo so balandi ya Ma Mission TV, le miroir du monde, à travers cette émission Allo Congo. Bozali ebele kolanda biso de partout, au pesa kabino, merci pour la fidélité, confiance au bo renouvela ka boutou loko la moui. Tolo barato zali liso na bino esike information ezali dito inabino makolo, na bino kokita en temps réel pour la kopesa bino information, bisika nyoso ezwami. Depuis, to bandi kolobela ba action, ya ba ministre warrior. Il y a gouvernement Sama Lukonde et Zalina ministre Moko au nano total ici bino action na yete ezali ndeko mwana mboka Chérimin Okende obino yoso boyebi azali moko ya ensemble pour la République. Il y a ndeko Moïse Katumbi azala ki député national nangambo ya assemblée nationale kuna penza bozaki komona te tozaki kozala naye mokolo ya suka tozalaki naye na ngambo ya Bukangalonzo totambolaki elongo azaki penza ko dénoncer makambo ezali koleka na kuna na ngambo ya Bukangalonzo esika ezali pona peuple congolais esika peuple congolais akoki ko bénéficier na likambo etali masango e boyokaki bino nyonso na etando ekendenge nini penza bango kokisi ya 5 députés oyo bazalaki bongo ko dénoncer sans pour autant toyeba te akozala ministre ya transport et lelo te azali ministre ya transport biso Ma Mission TV to se décidaki ko accompagner mwana mboka Chérimin Okende. Et parlons de ses actions de ko mwana mboka Chérimin Okende azali na secteur moko oyo penza bandeko oyo balekaki ntongo mosusu liboso na ye banegligeaki ba pesaki penza misolo na esika te po te congolais a se retrouver na nzela ya transport na nzela ya aéroport, c'est-à-dire naza kotalisa juste na ba trace oyo eleki onatra obino nyonso boyebi ezali esika oyo penza ba kongomani ebele bazali ko dénoncer makambo elekaka na ngambo onatra na ba port na biso. Et ndeko Chérimin Okende de son côté a kangaki monokote a kindaki a fandaki na bureauté a vandaki penza elongo na bandeko ya onatra pote a yoka bango balobi mokonzi a yokaka bato bazali zinga zinga na ye. Ndeko Chérimin Okende a kindaki na koyoka bandeko bayi ya onatra a sukaki wana te a kindaki pe kosala inspection il y a aéroport international ya Njili makambo leka ki kuna pezala ki a passi bokolanda yango toujours à travers cette émission Allo Congo koyebisa na bakongomani nyonso te passi ezali penza omote makotala makambo ndeko Chérimin Okende akeyi ko découvrir na aéroport international ya Njili akeyi ko découvrir makambo ebele kotala misolo ebima pona aéroport international ya Njili lelo mwana mboka Chérimin ntango azwi baton de commandement na ngambo ya ministère ya transport kokoma kuna aleli tolanda elongo nabino balandi ya Ma Mission TV. Ma Mission TV, le miroir du monde. Je suis seulement le président de l'intersyndicale de la SNDP avec un membre de l'intersyndicale. On peut connaître l'objet de votre ministre. Oui, l'objet de notre réunion avec son excellence, monsieur le ministre des Transports. Le premier point, c'était principalement la fermeture de tous les ports illégaux clandestins. Vous savez qu'au niveau de la SNDP, l'ex on a très victime d'être à face des 9 ports illégaux et que les 2 grandes décisions du Conseil des ministres lors des 46e et 52e réunion du Conseil des ministres a été décidé de fermer tous les ports illégaux parce qu'aujourd'hui ces ports handicapent le fonctionnement de la SCTP et grande déviation des navires vers les ports privés. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était le dossier de relance de la SCTP concernant les 2,7 millions. Toute la procédure a été vidée, terminée comme vous voulez, et que nous demandons l'implication de son excellence quant à ce pour que la SCTP recouvre ses droits pour permettre à cette entreprise de faire face au niveau de l'exploitation, permettre aux travailleurs de toucher une grande partie de leurs arriérés, aussi bien
retraités, les décomptes finaux de tous les retraités de la SCTP, plus de 2711 qui seront retraités. Nous serons peut-être le premier pays en Afrique où le chef de l'État, le président Tshisekedi, va présider une grande cérémonie de départ retraite de plus ou moins 2711. Donc, le troisième point, c'était la gestion des ports en eau profonde. Vous savez qu'il y a des tractations au niveau du gouvernement pour confier la gestion des ports en eau profonde à un privé. Nous disons non, nous avons encore le monopole de tous les ports, que l'État congolais ne peut pas, par exemple, se prévaloir ou se considérer toujours comme actionnaire minoritaire. Nous demandons, nous avons demandé à son excellence, son implication personnelle pour que la gestion des ports en eau profonde soit confiée à la SCTP. Nous sommes victimes, le dernier point, de spoliation de nos maisons. Plus de 180 villas spoliées par les dinosaures de l'ancien régime, parce qu'à terme des pactes immobiliers après l'église catholique, c'est la SCTP l'ex-onata. Mais nous sommes victimes par les dinosaures de l'ancien régime. Voilà les contours de tous les points. Mais nous sommes sortis tête haute et avec beaucoup de joie, parce que le ministre a pris le dossier en cœur, il va présenter au niveau des instances, c'est-à-dire du gouvernement, pour que la SCTP récupère ou la SCTP soit rentrée dans ses droits. Aussi bien, le ministre va nous rétablir dans notre droit et là nous demander à tous les travailleurs de soutenir son excellence, monsieur le ministre des Transports, ou parce qu'il va cette fois-ci renaître, donner la possibilité à la société d'aller d'y avant. Donc, nous sommes sortis tête haute et c'est une grande joie, non seulement pour nous, les syndicalistes, les travailleurs de la SCTP, aussi bien les peuples congolais, parce que ici, aujourd'hui, le développement ou la relance de la SCTP, c'est la relance du Congo. Voilà. Merci. Merci. Des voies de communication. La police détachement Djili est rangée pour vous accueillir et vous rendre honneur. Alors, à l'occasion de votre première visite à l'aéroport de Djili, devant vous, le commandant de troupe, et Babo, on te voit. Bonjour. Menacer à quelqu'un.
comme vous le proposez. C'est dans notre conseil. Vraiment, on se met là maintenant, dans les MOU, tout ça, c'est tout dans les MOU. Ici, on ne peut rien. Est-ce qu'ils ont des titres? Je les avais approchés. Là, c'est une pour impliquer les comprendre comment on fait rentrer ce jeu que tu dis. Chassa, nous lui ont expliqué, non, ça ne peut pas se faire. Vous, à l'époque, le Belge avait eu le temps de... sera repéré. Ça coûte un peu cher. Dans le besoin, c'est d'agir. Voilà. On peut minorer le quoi, le bien de l'État. Oui, c'est oui. Oui. Parce que on a envisagé dans notre... Je suis à l'aérien. Attention. Et je trouve un accident. La marine aussi. Est... Pardon. Ça va, c'est bien. Moi, je vois ici. Ah bon. Je vois au moins. Alors ça, c'est encore vous. Connexion aéroport. DG, là, amener le ministre. C'est qui doivent dédier le programme là-dessus. Dans le cadre de financement, avec d'autres partenaires financiers. À l'époque, c'était même procuré par le Tim Barber. Il faut d'abord leur faire voir. Il peut y avoir un raté de vol. Et finalement, ça se fait. Voilà. Là, c'est la partie CA. Ici, là, il y a comme c'est pas propriété de la RDA quand même. À la RDA pourquoi? Et ça, l'OP à RDA. Je sais que ça, c'est un truc ou pas. On peut, comment on peut m'expliquer que ce soit la RDA qui perçoit le loyer? Je ne suis plus là. Maintenant, je suis le ministre. Donc, la manière de garder les avions, c'est pas comme ça. Non. Dans le centre de stockage, d'entretien, tout ça. Là, c'est à la on va prendre le véhicule.
suis heureux de vous. Ah, de la DGM. Enchanté. Ça donne aussi une mauvaise image. D'ailleurs, on accepte pas le comportement. Ce sont les voyageurs qui viennent de là. Il faudra qu'on aille aussi dans le vol domestique. Moi, ministre, je devais le déjà. Monsieur le juge, je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, nous, on est dans ce cas de vie. Je teste parce que le contrôle, c'est pas. Ça attend le. Ça, ça devrait attendre le propriétaire. Oui, ils attendent. Oui. Ça donne l'air de traîner pour eux. Mais c'est à la RVA qu'on implique tout ça. Oui, c'est ATS et tout ça, vous qui devez le pousser à améliorer la qualité de travail. Sinon, tout se répercute sur la RD. Pour rien, parfois. Une heure après l'atterrissage, on peut prétexter bien le Covid et tout. Pas trop de temps. Ce sont ces services-là que vous, vous devez discipliner. C'est ce qui fait encore le problème. Aux frontières, il doit y avoir 4 services. Les services autorisés doivent aussi. Et pas d'autres doivent partir. On donne parmi les gens qui nous voient. Si le Congo n'a pas marché hier, et qu'aujourd'hui on a des responsabilités et qu'on reste comme ça, donc nous aussi, nous allons nous comporter de la même manière. Et pourquoi avoir aussi le temps sur les autres? Nous devons faire notre introspection. Nous devons faire notre introspection. L'enfer, ce n'est pas toujours l'autre, c'est nous aussi. C'est nous aussi. Dans nos responsabilités, qu'est-ce que nous devons faire pour assainir? Le voyageur, ils doivent être libres. La multiplication de services qui ne sont pas autorisés. Et la RVA, aéroport, complote pour que ce soit ici. Ce n'est pas normal. Quand vos dirigeants vont sévir, on dira bon, tel est le méchant, tel est venu régler des comptes. Donc les gens, ils règlent des comptes. On ne peut pas commencer à vous utiliser service. Oui, si c'est vrai. Comment vous parlez-vous ?
Vous avez déjà appris comment... Oui. Nous étions longtemps manipulés, mais au moins vous avez mis ça. Et le centre de contrôle régional est en train de faire l'office de centre d'information de vol aussi. Donc, nous prenons le trafic. Les zones que vous voyez en bleu là sont des zones de terminal, sont des zones de plus près 80 nautiques que dans les 160 nautiques, kilomètres de Lubumbashi, en train de monter pour venir à Kinshasa. Vous avez de l'espace. Et comme ça, au départ de Lubumbashi, à l'arrivée à Kinshasa, est organisé de l'autre côté. Et après, je vais prendre l'avion pour transférer à la tour de contrôle. Donc, il y a les différents organes qui gèrent le trafic. Et l'avantage. Quel système radar vous utilisez? ADS-B? Oui, ADS-B. Ça vous permet de tout contrôler, de tout voir, tel que vous dites. Je peux quitter le Lubumbashi ou Kinshasa pour le Lubumbashi. Je serai suivi par votre système? Non, excellence. L'ADS-B prend en charge les avions qui sont équipés à DSB. Par exemple, d'un avion qui est équipé à DSB, par exemple, c'est... Mais par contre, celui-ci, le Bravo Golf, nous ne voyons pas les différencies. Et ça, c'est comme une étoile, ça, c'est un carré. Ça, c'est le plan de vol. C'est la machine qui nous permet, quand on émet des données dedans, et on peut matérialiser l'avion qui n'est pas... Nous l'utilisons dans le contrôle, dans les transpondeurs, et celui-là même, s'il n'est pas équipé. En état, je peux conclure que l'espace aérien congolais n'est pas... Et pour s'autofinancer, il faut tout faire pour que l'on sache que les ressources qui sont censées entrer sont d'abord en train d'entrer dans l'entreprise et non dans les projets. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'IDR? L'IDR. Depuis 2009 qu'on avait institué cette présidence. Vous délivrez pas. Délivrez pas l'autorité de la DAC. Du temps de DAC. Mais maintenant, le licence actuelle voudrait que vous puissiez délivrer des licences. Voilà. Le secret que... Et nous disons que le processus pour l'obtention des licences avait déjà été amorcé. Le jour, ça ne va pas marcher, on verra d'abord le DG. Moi, je ne verrai pas vos collaborateurs, je verrai le DG. C'est le DG, j'ai vu et je suis d'accord avec lui. Que tant que c'est une norme de loi, on doit la résoudre. Quelque chose qui avait déjà été fait, mais on est bloqué à un niveau européen. Et l'autorité de la gestion civile avait exigé à la RDA le paiement d'une somme leur permettant d'aller à Addis Abeba. D'abord les opérations. Absolument. Ce n'est pas normal que vous travaillez sans licence. Si dans le processus AAC veut faciliter la tâche, tant mieux, c'est la recommandation que je pourrais faire. Rester dans ce cas-là, ce n'est pas résoudre le problème. Mais c'est surtout ceux qui sont en opération. La priorité doit être... Vous savez que les cas, parce que le DG, moi je vous verrai, la délicatesse, vous verrez les noms de ceux qui sont en opération. La délicatesse de la tâche ici exige aussi que vous ayez un système de formation permanent. Une formation continue. Nous avons prévu tout ça. Tout ça, c'est et les APC, par la licence, la licence est continue pour maintenir la licence. Et nous avons ici en face, nous avons un simulateur en face, dans la salle à côté, un simulateur pour justement récipier tout le temps. Je vais voir ceci. Juste à côté. Malheureusement, en opérationnel, ils sont là. Et quand il y a d'autres exercices qu'il faut faire en zone de le contrôle de la circulation aérienne, ses spécificités, tout ce que nous avons comme
équipement. Les conditions optimales de travail, parce que votre service ici est très sensible, extrêmement sensible. Si les conditions optimales de travail sont réunies, sinon, faites un mémo adressé au DG qui me verra. Ok ? D'accord. Il me verra pour qu'on sache quelle démarche nous pouvons faire pour que ces conditions optimales de travail soient réunies. C'est pas concevable qu'à un certain niveau, dans les avions, ceux qui contrôlent, qui aident à l'approche, ne puissent pas suivre. On ne va plus revenir sur tout ce qu'on a pu développer, mais l'essentiel que vous-même, vous essayez d'identifier les conditions de travail et ce qui manque. Votre souhait pour que vous soyez dans un service très performant, relevez cela, envoyez au DG, le DG me verra, pour que nous sachions quelle démarche nous devons faire. Merci. Merci et bon travail. D'abord, il y a envahissement du terrain de la RVA par des constructions anarchiques. Nous devons y faire face. Ce terrain est aussi menacé par des têtes d'érosion. Et si nous ne prenons pas la mesure du danger qui nous guette, nous risquons de perdre l'aéroport d'Ndjili. Il faut prendre des mesures urgentes. Nous avons aussi visité le parking, où il y a certains opérateurs qui ne sont plus opérationnels, mais qui continuent à occuper les espaces. Il faut absolument prendre des mesures pour qu'on puisse évacuer et permettre à ce que les conditions soient bonnes. L'aire de trafic aussi, qu'il faudra vraiment assainir. Il faut assainir. La piste et les conditions de balisage doivent absolument être améliorées pour qu'on puisse parvenir aussi à la certification de l'aéroport de Ndjili, ce qui manque et qui porte énormément préjudice au pays, que nous puissions aussi conjuguer toutes les forces pour qu'on arrive à sortir notamment de la fameuse liste noire de l'Union européenne. Alors il y a du travail, il y a beaucoup de défis et je pense que sous l'impulsion du chef de l'État et du Premier ministre, nous saurons réunir les forces pour relever ces défis. Mais je exhorte le DG et l'ensemble du personnel de la régie de voies aériennes de se mettre au travail, de se mettre résolument au travail. On n'arrivera à aucune solution comme par coup de baguette magique. Il faut que les gens se mettent au travail. Qu'on cesse un peu toutes ces dissensions internes qui distraient les uns les autres, qu'on se dise on a des missions qui sont assignées par l'État. Il faut d'abord accomplir ces missions-là. Donc des querelles byzantines, pendant que la RVA, avec la RVA, la République démocratique du Congo se trouve dans un tournant difficile, ces querelles byzantines ont tout lieu d'être abandonnées. Et j'exhorte tout le personnel de la régie de voies aériennes de se mettre, de consolider le leadership de l'équipe qui dirige, parce qu'au fait, il appartiendra au président de la République de voir, d'attendre l'évaluation de tous ceux qui sont commis à la gestion de la chose publique. De la même manière que le président de la République nous a dit au Conseil des ministres qu'il va évaluer ses ministres, de la même manière, je dis déjà à tous ceux qui relèvent du ministère de Transport, Voies de Communication et de Désenclavement, qu'ils seront aussi évalués sans complaisance. Ils seront aussi évalués sans complaisance s'ils ne se mettent pas à l'ordre de bataille pour gagner cette guerre que nous a assigné le Premier ministre, parce qu'il appelle son gouvernement un gouvernement de guerriers, mais nous devons nous battre pour relever le défi. Ceux qui ne se mettront pas, disons, au pas de cette guerre-là, bon, je serai obligé de faire rapport au Premier ministre et au chef de l'État pour qu'on puisse mettre de véritables warriors, pas simplement au gouvernement, mais dans toutes les structures de l'État qui peuvent nous amener à changer le destin d'insignifiance qui caractérise notre pays, pour nous commettre dans un destin qui nous permette aussi d'être dans la nouvelle espérance. Merci. Le Congo mérite mieux que ce que nous vivons maintenant. Je suis très content. Je crois que nous n'avons pas affaire à un théoricien, mais à quelqu'un qui veut que les choses changent, et pas dans son bureau, mais sur terrain. Et c'est cela la priorité. C'est la démarche qu'il faudra emprunter pour produire les résultats. Je crois que là,
Nous sommes en train de constater déjà une volonté et surtout une détermination d'aller vers ce qui est palpable. Et je pense que c'est la vision du chef de l'État qui est en train d'être déjà matérialisée par son Excellence Monsieur le ministre des Finances. À peine arrivé, le ministre des Transports, à peine arrivé, on sent déjà de la fougue et de la volonté. Mais je voudrais quand même ajouter une chose, et cela me conforte. Nous avons affaire à quelqu'un qui est vraiment sur son terrain. Donc nous pensons que les perspectives sont bonnes. Voilà. Quels sont les problèmes auxquels fait face l'aéroport d'Ndjili? Parce qu'on a vu le ministre circuler un peu partout. Mm-hmm. Vous lui avez posé des problèmes. Quels sont ces problèmes? Ils sont multiples, à la fois humains, techniques et financiers. Pour que l'aéroport soit, si vous voulez, mis au standard international, il a besoin de moyens. Ces moyens sont à la fois humains. On a noté ici l'insuffisance de certaines ressources, notamment du côté personnel technique. Les ATC, les aiguilleurs du ciel, ne sont pas en effectif suffisant. Il y a donc besoin que cet effectif soit augmenté. Notre aéroport souffre encore de quelques problèmes qui sont majeurs et qui font que notre pays continue à être considéré comme un trou noir. Nous pensons que cela appelle des ressources surtout financières. Raison d'ailleurs pour laquelle nous sommes en train de travailler de manière un peu rigoureuse pour justement optimiser les recettes de la RVA à l'effet de les allouer vers les besoins qui sont considérés comme prioritaires et réels. Et aussi, comme je l'ai dit, nous avons des difficultés en ressources techniques, c'est-à-dire les moyens techniques, les équipements et consorts. Donc nous pensons qu'avec son concours, le concours de son Excellence, Monsieur le ministre des Transports et Voies et Communications, nous pensons qu'avec sa détermination, les choses vont commencer à changer. Parce qu'on attendait aussi une pulsion de la part des autorités du gouvernement, du côté donc du gouvernement, et nous pensons que nous avons une réponse. Nous pensons vraiment avec espérance que les choses vont aller de l'avant. Merci beaucoup. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le ministre détachement à l'aéroport de Ndjili, vous dit au revoir. Bonjour. Bon. Ma mission TV, le miroir du monde.